الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينشكوز كونسينا valeur, l'importance, injimun li fiya, de parmi les cinq namaz qui Allah subhanahu wa ta'ala fin prescrit alounu Allah fin fiya faraz. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man salla al-bardain dekhal al-jannah. Celui qui fait sa deux namaz qui ferait là, il rentre de paradis. Et nous t'expliquer qui sa deux namaz qui ferait là et qui fait être considéré comme un namaz qui ferait. Sa deux namaz là, c'est namaz fajar et namaz asar, et raison qui fait être considéré comme un namaz qui ferait, parce que namaz fajar les trouve d'un moment qui fait plus frais pendant la nuit, et namaz asar les trouve d'un moment qui fait plus frais pendant la journée après zawal. Celui qui les préserve, sa deux namaz là, les fait aller, quand on peut dire préserve, sa deux namaz là, les fait aller dans le soleil, les fait aller en jamaat. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, dakhal al-jannah, les rentes de paradis. Nous t'y causons aussi concernant certains hadiths que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait faire mention concernant valer à namaz asar. Certains hadiths que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait faire mention concernant valer à namaz fajr. Et aussi nous fait guette concernant certains hadiths que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait cause concernant valer sa deux namaz là ensemble, celui qui fait namaz fajr et namaz asr. Action qui est là avec nous pour aujourd'hui, c'est concernant valer God and Rosa dans chemin Allah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui trouve dans Bukhari et Muslim. Ma min abidin, pena aucun servité. يصوم صوما لجاد ان روزا يصوم صوما لجاد ان روزا في سبيل الله dans le chemin d'Allah الا بعد الله بذلك اليوم excepté que Allah subhanahu wa ta'ala à travers un jour qu'il fin garde roza là Allah éloigne sa jimun là ce visage الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. Excepté que Allah subhanahu wa ta'ala les fin garde un jour rosa dans le chemin d'Allah à travers sa un jour rosa qui les fin garde là Allah subhanahu wa ta'ala éloigne son visage de l'enfer 70 kharifa 70 kharif. Nous venons à explication ce hadith là qui veut dire les garde un jour rosa fi sabilillah dans le chemin d'Allah. Ben savant fin divergé concernant qui veut dire fi sabilillah. Et là, parmi ben savant comme Ibn al-Jawzi, les dire fi sabilillah, les sajimoun la, les gardes rosa dans chemin d'Allah, veut dire pendant qu'il y paie la guerre, pendant qu'il est au champ de bataille, il y paie la guerre contre l'ennemi, les gardes rosa s'ajoutent là. Deuxième signification de fi sabilillah, les gardes sa rosa là pour la satisfaction d'Allah. Les gardes sa rosa là pour chercher le plaisir d'Allah. Et ça, Imam al-Qurtubi, les fin dire concernant signification fi sabilillah, veut dire les gardes rosa pour gagner Allah sa satisfaction, pour gagner Allah ce plaisir. Imam Ibn Hajar, les dire de Fethul Bari, que le mot fi sabilillah, lui en a une signification qui plie élargie. Il y en a une signification qui est plus vaste. Veut dire, fi sabilillah, pas veut dire seulement qui, en celui qui l'épégarde rosa pendant qu'il est au champ de bataille, pendant qu'il est la guerre. Le dire, ala man soma fil jihad, fi sabilillah, les pour ban qui paye la guerre, ban qui pégarde rosa pendant qu'il est de jihad, wa man soma fi ayyi yawmin. Et aussi, le mot fi sabilillah veut dire pour en celui qui peut garder rosa fi ayi yawmin, n'importe qui jour, yaqsudu wajha Allah wa dar al-akhirah. À travers sa rosa qu'il peut garder là, il peut rendre Allah ce plaisir, il peut rendre akhirat.
Les périodes Allah sur plaisir et les périodes akhirat. Donc tous les deux, il y a des significations. Fi sabilillah, les périodes un jour rosa, pendant qu'il est au champ de bataille, pendant qu'il est fait à jihad. Et deuxième signification, c'est les périodes sa rosa là pour le plaisir d'Allah, pour les gagner Allah subhanahu wa ta'ala sur satisfaction. Les périodes sa rosa là pour les gagner akhirat. Et connaissez, chers frères et sœurs, que rosa, c'est une action qui nous capable de nous trouver une action difficile. Shaitan finit mettre ça dans nous l'esprit, que rosa est une action qui est difficile. Surtout nous connaît, insan compte manger, du monde les compte manger. Ça est une petite chose. Deuxième, souvent des fois nous nous trouvons qu'un du monde capable de faire une intention pour les gars une rosa na fil. Une fin de l'intention pour les gars de Rosa Nafil, les arrivent grand matin, ils levaient pour les gars de Rosa, alors Shaitan met toute qualité pensée dans son esprit. Fais-les croire que tu as une longue la journée devant toi, tu es fatigué, tu es une douleur à la tête, tu es une vertige, tu es une faim, tu es une soif, et à travers Saban, Waswasala, à travers sa bonne inspiration satanique là, ça dit mon là, il n'est pas grand sa rosa là. Parce que Shaitan, nous l'ennemi, il n'est pas content quand un démon, il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan, nous l'ennemi, il n'est pas content qu'il nous fasse une action qui pour amener nous vers le paradis. Il n'est pas content qu'il nous fasse une action qui pour éloigner nous de l'enfer. Parce que, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Shaitan, son objectif, c'est qu'il invite ce ban partisan pour venir parmi ban habitants l'enfer ensemble avec lui. Mais, si nous prenons compte ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, dans ban hadith, concernant valer rosa, ça pour venir une motivation pour nous. Ça pour venir une motivation pour nous. Ban hadith, que par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Nous devons apprendre concernant ban l'apôtre qui est né de paradis. Nous disons qu'il y a 8 l'apôtre de paradis. Et un parmi ban l'apôtre, c'est l'apôtre Rayyan. Que ban qui fait une garde rosa qui pour rentre à travers sa l'apôtre là. Ban qui fait une garde rosa qui pour rentre à travers sa l'apôtre là. Donc rosa, c'est un moyen pour un démon de gagner paradis. Rosa, c'est un moyen pour un démon de gagner paradis. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître un hadith Qudsi qui rosa c'est une ibadat qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit elle est pour moi qui vous donne son récompense. N'importe qui les autres bonnes actions qu'un démon fait son récompense 10 à 700 bonnes actions. Mais rosa Allah subhanahu wa ta'ala a dit elle est pour moi. Veut dire à travers sa rosa qui m'a fait garder là, récompensant les capables de dépasser sa 700 bonnes actions qui m'ont supposé gagner pour n'importe qui les autres bonnes actions qui m'ont fait. Pour n'importe qui les autres bonnes actions qui m'ont fait. Donc, rosa, lui amène nous vers le paradis. Rosa, c'est une ibadet qui est là, une récompense qui est bien énorme. Et ensuite, rosa, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, c'est un intercesseur. Rosa li pour intercède pour bandimoun jour qiyama. Li pour dire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mou fin prive sa dimoun là de se manger, se boire. Mou fin prive li de se manger, de se boire. Mou fin prive li de se man désir. Alors si vous demandez la permission avec Allah subhanahu wa ta'ala pour li capable intercède, pour li capable plaide auprès d'Allah pour band qui fin god rosa. Donc peut-être sa dimoun là, comme on étudie pareil comme le Coran, c'est un intercesseur. Alors, rosa aussi pareil, les vous plaide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala jour qiyama pour ban qui fin god rosa. Donc la cause pour sa bonne raison là, rosa est une ibadet qui a beaucoup de récompenses, qui amène vers le paradis, qui est pour un moyen pour qui un démon les gagne intercession jour qiyama. Pour sa bonne raison là, nous trouvons que Shaitan les embête ban démon. Les embête ban démon, les met toute qualité pensée de l'esprit du monde. Pour dire monde n'est pas garde rosa. Pour dire monde pas garde rosa et ici nous pouvons surtout pour ban rosa na fil parce que rosa qui est obligatoire rosa Ramadan alors beaucoup de monde la plupart musulmans les observent sa rosa la les garde rosa Ramadan surtout pour ban rosa na fil.
Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous, en tant qu'un musulman, en tant qu'un celui qui nous faisait faire des efforts pour nous faire maximum bon action au salat Allah, donc faudrait pas qu'il nous limite nous-mêmes juste à rosa Ramadan. Faudrait pas nous venir un celui qui me connaît rosa juste dans le mois de Ramadan. Quand Ramadan terminé, c'est l'autre Ramadan qui me pourrait garder rosa encore. Un celui qui les fin comprend l'importance de rosa, les fin convaler rosa à travers sa man hadith qui nous fait mentionner là, ça pouvait être une motivation pour les gardes man rosa nafil. Parmi man rosa que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous pour garder, fin recommande nous pour nous garder, nous en a surtout Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin recommande ban jeune. Ban jeune qui les peines à moyen, il n'est pas capable de marier. Il est dans une situation qu'on n'est pas capable de marier parce que jeunesse, c'est une étape qu'on facilement un dimanche les tombe dans l'adultère. Et ce qui nous peut trouver de nos jours, comme un jeune qui peut tomber dans l'adultère, facilement il peut tomber dans l'adultère. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin recommande un jeune qui n'est pas capable de marier à l'osgard rosa. Ça, il pouvait être une protection pour sa bande dimanche là. Les pour être sa bonne jeune là, pour être baisse votre regard. Les pour être sa bonne jeune là, pour être un contrôle de votre désir. Parmi les rosa que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin recommande nous pour nous garder, par exemple, chaque semaine, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin recommande nous pour nous garder rosa de lundi et de jeudi. Aussi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin recommande nous pour garder rosa quand il y a certains ben événements. Par exemple, quand il y a Ashura, quand il y a Arafa, ce ben événement là, il est recommandé pour garder rosa. Aussi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin recommande nous pour garder rosa 3 jours rosa de chaque mois. Les 13, les 14 et les 15 de chaque mois de calendrier islamique. Veut dire ben jour de pleine lune. Et aussi, là, comme nous connaît, moi qui nous étais dans le calendrier islamique, nous dans le mois de Sha'ban. Nous dans le mois de Sha'ban, moi qui précède le mois de Ramadan. Ce mois-là, le mois de Sha'ban, c'est un mois que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam t'y pégade beaucoup rosa. C'est un mois que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam t'y pégade beaucoup rosa. On m'a rapporté dans mon hadith. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tu peux garder beaucoup rosa dans ce mois-là. Pour quelle raison? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit: "Dhalika shahrun yughfalu an-nasu anhu bayn Rajab wa Ramadan." C'est un mois qui bandimoun je te montre les autres négligents. Et c'est un mois qui trouve entre Rajab et Ramadan. Le mois de Sha'ban, c'est un mois qui trouve entre Rajab et Ramadan et c'est un mois qui beaucoup de monde je te montre les autres négligents. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit: "Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabb al-'alamin." C'est un mois que ban action li monte kot Allah. C'est un mois que nous ban action li monte kot Allah. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'imun. Et mo content ki mo ban action li monte kot Allah pendant ki mo rosa. Mo content ki mo ban action li monte kot Allah pendant qu'il me rosa. Donc, c'est un mois qui lui recommandait pour nous garder beaucoup rosa, le mois de Sha'ban. Là, surtout, nous prenons une occasion en l'eau. Beaucoup parmi nous, nous dans la case. Nous prenons pour le travail de soleil. Nous prenons pour fatiguer. Pas pour une fatigue, pas pour une la tête faire mal. Donc, nous bien capables dans sa bonne faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala peut faire à nous, sa bonne l'étant libre qui Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous là, c'est un moyen pour nous rapprocher nous-mêmes avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moyen pour nous faire une bonne action. Et sans moi là, bonne action qui nous besoin faire, qui nous besoin mettre en pratique le mois de Sha'ban, c'est nous garder maximum rosa qui nous capable. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah lui dit, concernant bonne raison, qui fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam beaucoup rosa dans le mois de Sha'ban, les dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comment l'a connu qu'il est rosa pendant 3 jours de chaque mois. Les dit peut-être qu'il y en a certains ban mois avant Sha'ban que de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas resté garde sa 3 rosa là.
Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin gardi de Sha'ban avant que Ramadan rentre. Une deuxième raison que Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah li fin amené, c'est que, comme hadith là, il fait un manchon, que Allah subhanahu wa ta'ala nous ban action li mot kout Allah. Nous ban action li mot kout Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois-là. Et donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam li l'ispegad rosa. Parce que, comme lui-même dit dans ce hadith-là, je suis content que pendant qu'il m'a une action, je montre que Allah m'a donné un état que mon rosa. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il était content. Fa'ahabbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Et je suis content que mon action lui montre que Allah et wa ana sa'im et mon rosa. Ça, c'est pour lui une raison qu'Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'a fait amener. Nous revenons à nos hadiths. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « Ma min abdin yasoumu yawman fi sabilillah » Nous finissons avec l'explication sa première partie-là. « Peu n'a aucun serviteur qui garde un rosa dans le chemin d'Allah. » La deuxième partie, ce hadith-là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui fait nous une récompense. Quand un dimoun lui fait garde un rosa dans le chemin d'Allah, qu'il y gagne en retour. Est-ce qu'il peut gaspiller sur les temps? Est-ce qu'il peut gaspiller sur les niazis? Non. Il peut rester sans manger, sans boire, pour n'aigner, sans aucune raison, pas payer n'aigner. Non. Qu'est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit? Illa ba'adallahu bidhalik al-yawm, excepté qu'Allah, à travers sa enzou, qu'il est fin, garde rosa là, Allah, ba'adallahu bidhalik al-yawm, wajhahu al-nar, Allah éloigne ce visage de l'enfer. 70 kharif, 70 kharif. Et qui veut dire kharif? Ou le mot bil kharif, huna al-am. Signification de kharif veut dire l'année. Allah subhanahu wa ta'ala éloigne son visage de l'enfer pendant 70 bananes. Un jour. Un jour, un dimoun li gad, un rosa dans le chemin d'Allah. Pour faire Allah plaisir. Pour une récompense avec Allah. Allah éloigne sa dimoula son visage de l'enfer pendant 70 bananes. Et nous tous, nous bannes musulmans, nous bannes qui n'a iman, nous croyons dans l'existence de l'enfer. Nous sommes certains que l'enfer, ça même plus mauvaise place qu'il y en a pour un dimoula à vivre. Qui fait? Parce que dans l'enfer, il y a des finitions. Dans l'enfer, il y a des souffrances. Si nous guettons un ayat Coran que Allah subhanahu wa ta'ala peut cause concernant l'enfer, ça donne nous une indication. Qui qualité l'enfer, ça même plus mauvaise place et n'a pas du monde vivre. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah An-Nisa, Kullama nadijat juluduhum baddelnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. À chaque fois qu'un dimoun de l'enfer se la peau pour être consommé. À chaque fois qu'il se la peau finit être consommé, la pollen brille, la pollen finit. Est-ce que finition là termine par la même? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Baddelnahum juludan ghayraha. Nous pouvons lui un nouveau la peau. Liyadhuqul azab pour les capables goûte finition. L'objectif qui fait un dimoun, Allah finit mettre dimoun dans l'enfer, quel objectif? Pour qui but? Pour dimoun là, les souffrir. Pour dimoun là, les gain finition, les souffrir, les regretter. Si quand il moula sur la peau, fini, pinichon là, t'y a mis la même, il va pas atteindre son objectif là. Donc, chaque fois qu'il a peau là, fini, consommé, la peau là, brille net, Allah subhanahu wa ta'ala dit, baddelna hum juloudan ghayraha. Nous vous donnons de nouveau la peau, et ça, il pour aller comme ça même. Liyadhuqul azab, pour les capables, goûte pinichon. Et notre place de Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, qui, ban habite à l'enfer, get qui autres pour dire, Quand vous dites avec gardien l'enfer, dites avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous dit Allah, yukhaffif anna yawman min al-azab. Pour diminuer nos pinichons, yawman, un seul jour. Un seul jour, diminuer pinichons là. Pas me dire enlève pinichons là net, non. Au moins un jour de l'existence dans l'enfer, j'en ai envie que pinichons là diminuer. Pas dire tiens pinichons là net. Pas dire tiens pinichons là net. Pandia diminuer pinichon là pour tous les temps. Pandia diminuer pinichon là pour un an. Pandia diminuer pinichon là pour un mois. Non, yauma, un seul jour. Imagine-nous ça, Mandimoun là. Dans quelle qualité de souffrance vous pouvez être?
Dans quelle qualité de souffrance vous pouvez-vous? Pour qui vous pouvez dire à garder l'enfer, dire à Allah, diminuer la punition là pendant un seul jour pour nous. Ça, il demande nous pour nous réfléchir. Ben, ayez comme ça, nous besoin méditer. Nous besoin réfléchir. Qui qualité du monde dans l'enfer pour souffrir? Qui qualité l'enfer est une mauvaise place? Pour qui un démon lit dans l'enfer, il vous dit, diminuer mon punition pour un seul jour. Au moins un seul jour de son existence dans l'enfer, il y a envie qu'il punition là diminuer. Donc, nous devons prendre en compte cette ayette là. Et là, dans ce hadith là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, peut montrer nous une action. Si nous faisons cette action là, ça pour aider nous pour nous rester loin avec l'enfer. Ça pour aider nous pour nous rester loin avec l'enfer. Un jour, mon garde rosa, mon visage est loin de l'enfer pendant 70 bananes. Astia, imagine-nous, un celui qui le garde mon rosa nafil souvent. Un celui qui garde mon rosa nafil souvent. Il pas attendu le mois de Ramadan pour le garde rosa, le garde ce qui faraz. Un celui qui le garde rosa nafil. Dans lundi, dans zedi, tous les lundis, zedi, le garde rosa. Tous les 13, 14, 15 de chaque mois, islamique, le bégade rosa. Donc, ça, c'est Bandimoun qui fin comprend qu'il est en fait, c'est sa même plus mauvaise place qu'il y en a pour vivre. Ça, c'est Bandimoun qui fin comprend que moi, en tant qu'un musulman, moi, en tant qu'un celui qui est un imam, moi, en tant qu'un celui qui me compte à mon écho, alors, je vais prendre toute précaution pour me parler de sa place-là. Même un jour. Même un jour, mon bizarre fait une démence, mon parent dans l'enfer, même pour un jour. Même pour une seconde. Donc, chacun parmi nous, moi nous fin dire, Allah subhanahu wa ta'ala fin faire une grande faveur au nous dans ce moment-là. Allah subhanahu wa ta'ala, la plupart parmi nous, Allah pédonne nous ban l'étang libre. Nous dans la case, la plupart parmi nous, donc pas laisser ban l'étang-là aller avec ma petite chose inutile. Parlez nous ban le temps aller sans qu'il nous fasse faire quelque chose qui profitable. Sans qu'il nous fasse ban quelque chose qui vous profite nous dans nos kabar, qui vous profite nous au qiyam. Sans qu'il nous fasse augmente nos balances, nos actions. Nous restons encore dans le mois de Shaban. Moi, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin recommande nous pour garder rosa beaucoup. Alors, nous faisons effort. Pas dire une journée, moi, pour rester sans manger. Donc, qui quantité nous pour manger? Qui quantité nous pour manger? Qui quantité nous pour boire pendant, par exemple, à peu près 12 ans, à peu près 12 ans, 13 ans, je finirai sans manger, donc je ne vais pas mourir. Même nous vous trouvez, un jour nous finissons garde rosa, nous vous trouvez que les bovines faciles. Les bovines faciles, nous vous trouvez comment les faciles. Si nous pouvons sa rosa là, avec sa intention là, pour faire Allah plaisir, pour gagner sa bonne grande récompense là, il n'y a aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala pour aider nous. Allah pour faciliter nous la journée. Allah subhanahu wa ta'ala pour aider nous et ça pour venir une motivation pour nous capables nous garder dans les autres roses encore devant les autres jours. Sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.